Les gens, en fait, ils sous-estiment le levier du temps, tu vois. Si jamais ils réussissent à réunir autant de gens comme ça, c'est parce que, en fait, il y a des gens qui sont jeunes qui l'écoutent, comme des gens de mon âge qui l'écoutent. T'imagines? Donc c'est le temps qui joue en sa faveur qui fait que du coup, il peut même remplir un stade de France. C'est juste un truc de malade, en fait. Alors bonjour et bienvenue sous cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, tu connais, et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ici c'est Jonathan Hatchi, l'idée de chasser pour te permettre d'être déterminé, passer à l'action, créer ta vie sur mesure, etc. Être libre. Juste créer ta vie sur mesure en vérité. Hein. Et ça, pour ça, ben, il faut de l'argent. Et pour faire de l'argent, ben, il faut avoir un business, il faut vendre quelque chose. Hein, notre ami Booba, ils vendent des CD, ils vont pas que ça d'ailleurs, ils vendent des vêtements, ils vendent du whisky, ils vendent tout. Ok, il faut vendre quelque chose pour pouvoir faire de l'argent. À un moment donné, ça tombe pas du ciel, les gars. Donc, du coup, je t'ai mis une étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20K en une semaine. Ok, je te montre détail par détail, c'est offert, c'est gratuit. Donc, tu as l'idée de pouvoir y accéder. J'ai rien gardé, j'ai tout dit. Tu as vraiment tout est étape par étape, libre à toi après de réutiliser la même stratégie pour faire la même chose. Ok, et pas d'excuses, les gars, j'ai grandi à Évry dans 91, j'ai redoublé mon BEP, j'ai grandi dans le quartier des Pyramides à Évry et pourtant j'ai réussi à le faire, tu vois. J'ai créé mon business en ligne sur le saxophone. Donc je te montre justement comment j'ai fait pour pouvoir générer du cash, tu vois, en ligne, tu vois. Donc c'est pas compliqué, c'est juste, bon, déjà faut avoir les informations parce que la plupart des gens n'ont pas les infos, hein, ils savent pas trop comment faire de l'argent à part aller travailler pour quelqu'un. Mais ce qui manque aux gens, c'est une paire de coronesses, quoi. C'est de la persévérance, c'est du caractère, c'est la détermination, hein. Ça c'est quelque chose qui manque à beaucoup de gens et c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à avoir des résultats, tu vois. C'est comme si on te disait, genre, si tu veux jouer en NBA, ben, t'es comme tout le monde, quoi, en fait. Il n'y a pas de truc, ouais, lui il a des compétences, etc. Ouais, évidemment que tout le monde a des compétences et des facilités pour certaines choses, mais tu as forcément des facilités toi pour autre chose, tu vois. Et si jamais tu taffes et que tu lâches pas, à un moment donné, tu vas t'y rapprocher, tu vois, de la NBA. En tout cas, on va dire le foot, parce que la NBA, c'est encore plus petit, mais le foot, je me dis, voilà, c'est dans les bonnes conditions, tu as un bon entourage, tu taffes, tu as un mindset où tu taffes, regarde, tu deviens professionnel, même si c'est pas genre... à un haut niveau, mais au moins tu vis de ça, tu vois. Bref, passons directement au sujet de la vidéo. Pourquoi j'aime Booba? Calme-toi, no mots, ok? C'est juste que voilà, il y a des gens, eh ben, ils t'inspirent, voilà. Est-ce que ça veut dire que tout ce qu'il fait m'inspire? Non, calme-toi. Mais c'est quand même un personnage, c'est comme quelqu'un, j'ai envie de te dire, il est parti quand même de zéro, il a quand même réussi à avoir une certaine réussite, une certaine longévité, que tu peux pas lui enlever, en fait. Et la traversée des générations, voilà, ça fait des années. Si tu sais pas, moi j'ai 40 ans. Donc voilà, je veux dire, à un moment donné, on a grandi avec lui. Jusqu'à aujourd'hui, il est toujours là. C'est quand même un truc de malade. Je veux dire, même aux States, je connais personne qui ait fait ça. À un moment donné, c'est vrai que Jay-Z, il se fait toujours un petit feat de temps en temps, tout ça. Mais je crois pas qu'il ait une carrière aussi longue, quand même. Parce que là, on va dire que Booba, il a mis sa carrière. Enfin, sa carrière, quoi, récemment, là. Donc c'est quand même. Je sais pas, ça fait plus de 20 ans. Vraiment actif dans le game, toujours au top. Et tu vois, ce qui est intéressant, c'est quand je suis en train de faire cette vidéo là, je me suis aperçu qu'en fait les traits en fait que j'appréciais chez lui, c'est des traits dans lesquels je me reconnais, en fait. Donc en vérité, on est tous égoïstes, hein. Quand tu aimes bien quelqu'un, c'est parce qu'en fait tu te reconnais en lui, en fait. Tu te reconnais dans les traits qu'il a, en fait. Première raison, c'est qu'il veut toujours être le numéro un. Et ça, moi, c'est une qualité que je trouve super louable, que je kiffe chez quelqu'un, c'est qu'il veut toujours se dépasser, tu vois. Une personne qui va toujours vouloir se dépasser, qui va toujours vouloir être le numéro un dans son domaine, c'est quelque chose chez moi qui va m'inspirer, tu vois. Tu vois, parce que moi aussi, j'aime être le numéro un dans ce que je fais, tu vois. J'aime être bon dans ce que je fais. J'aime les gens qui veulent tout déchirer dans leur vie, parce que moi aussi, j'ai envie de tout déchirer dans la vie, tu vois. Pas. Et par contre, en opposé, les gens qui sont toujours en train de chialer, bah, ça me saoule, en fait. Tu vois, c'est genre, ça me repousse direct, quoi. Si t'arrêtes pas de te plaindre, t'es en train de chialer, tout ça, machin, en fait, je supporte pas, mais vraiment pas. Genre, ça me saoule, en fait. Je me dis, mais c'est bon, tu vois. Encore, ça va une fois, vite fait, tu vois. Genre, une minute, deux minutes, ah, tu te plains un peu, machin. Mais après, c'est bon, tu vois. Et ça sert à rien, en fait, de chialer. Ça va rien changer, tu vois. Donc ça, c'est une des raisons, déjà. Deuxième raison, c'est son esprit d'entrepreneuriat, tu vois. Par rapport à tous les autres rappeurs, il n'y a pas d'autres rappeurs, à ma connaissance, qui soient aussi ciblés entrepreneuriat. Ça veut dire qu'il est toujours actif dans le rap, mais qui est beaucoup axé sur l'entrepreneuriat. Donc, il entreprend, il investit. Il y a plein d'investissements qu'on ne connaît pas qu'il fait, tu vois. Les gens, ils disent, ouais, il flambe et tout, etc. Mais moi, je trouve que par rapport à l'argent qu'il a et qu'il génère,
il flambe pas tant que ça, tu vois. J'ai plus l'impression que c'est quelqu'un qui réinvestit tous ses gains et qui réinvestit dans de nouveaux projets, etc. Il est toujours dans des nouveaux projets, tu vois. Donc, entre ce qu'il lance dans l'entrepreneuriat, parce qu'il y a une différence entre l'entrepreneuriat et l'investissement. Donc, déjà, il doit avoir pas mal d'investissements. Et en plus, il entreprend, il lance des nouvelles marques, etc. Donc ça, forcément, je vais forcément me retrouver chez quelqu'un qui est comme ça, puisque moi, je suis comme ça. Et je veux devenir comme ça. Ça veut dire avoir plusieurs business, avoir beaucoup d'investissements, etc. C'est un truc que voilà, je kiffe. De toute façon, l'argent, j'ai envie de te dire, on est sur une planète économique. Donc, si jamais tu veux faire de l'argent, il va falloir ou vendre quelque chose ou le multiplier, c'est-à-dire investir. Troisième raison, c'est sa longévité. Tu vois, sa longévité dans tout ce qu'il fait. Ça veut dire que ce soit même la boxe thaï, tu vois. À un moment donné, il est monté sur le ring, je crois qu'il avait déjà une trentaine d'années. Tu vois, donc c'est un gars qui s'entraîne tout le temps, que ce soit en muscu. Le gars, il est balèze depuis qu'on est tout petit. Il est toujours frais, toujours au top, tu vois. Donc, c'est quelqu'un qui... Et au niveau de sa carrière, j'en parle même pas. Hein. C'est des albums et des albums et des albums et des albums. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui persévère dans tout ce qu'il fait, tu vois. Tout ce qu'il fait, il continue. Ça ne veut pas dire que, genre, il n'a pas d'échec, tu vois. Il y a Okam qui n'a pas vraiment fonctionné. Qu'est-ce qu'il y a eu encore d'autres? J'oublie, mais je sais qu'il y a des choses qui ont pas fonctionné. Et ça, c'est normal, c'est le quotidien d'un entrepreneur. Tu ne peux pas réussir tout ce que tu fais. Tous les entrepreneurs, ils échouent et ils recommencent. Et puis voilà, ils continuent, tu vois. Et lui, c'est un gars qui est persévérant, il lâche rien. Et c'est pour ça qu'il est aussi longévité de malade. Là, t'imagines, il n'y a pas longtemps, il a lancé Stade de France. Alors, soi-disant qu'il a arrêté sa carrière, tu vois, mais là, il fait la plus grosse scène possible. Là, il fait le Stade de France. Frère, en 2-3 jours, il y avait des listes d'attente. C'est comment? C'est un truc de malade. En 2-3 jours, il y avait des listes d'attente. Là, tout à l'heure, on regardait la vidéo, j'ai regardé un petit peu. Toutes les places à 45 euros, elles ont sauté. 85 euros, il n'y en a plus beaucoup. Enfin, le truc, il est pratiquement rempli, en fait. Il est pratiquement rempli en quelques jours, alors que c'est un Stade de France. C'est quand même un truc de malade. Pour un rappeur, c'est quand même un truc de ouf, tu vois. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, ouais, non, mais il y a quand même Maître Gims, tout ça, qui a fait Stade de France en premier, c'est pas lui, c'est ça le premier. Non, les gars, comme il a dit le chroniqueur sale, les gars, c'est le vrai rappeur, là. C'est le vrai premier rappeur. Ok, Maître Gims, c'est un chanteur. Avant, peut-être l'a rappé, mais c'est un chanteur. Mais là, c'est le vrai premier rappeur street, vraiment, qui remplit le Stade de France. Il n'a pas encore rempli à l'heure que je te le dis, mais il va le remplir. Vu comment ça va super vite, t'as intérêt à prendre tes places si jamais tu veux y aller, parce que tous les endroits ils sont épuisés pratiquement. Il ne reste plus beaucoup. Donc c'est juste un truc de malade, tu vois. Et ça, c'est lié à sa longévité, tu vois. Donc sa persévérance de ne rien lâcher, tu vois. De pouvoir toujours rester au top, tu vois, d'être persévérant et de rien lâcher. Et ça, c'est quelque chose aussi sur lequel tu vas travailler, parce que les gens, en fait, ils sous-estiment le levier du temps, tu vois. Si jamais ils réussissent à réunir autant de gens comme ça, c'est parce que, en fait, il y a des gens qui sont jeunes qui l'écoutent, comme des gens de mon âge qui l'écoutent. T'imagines? Donc, c'est le temps qui joue en sa faveur qui fait que, du coup, il peut même remplir un Stade de France. C'est juste un truc de malade, en fait. Quatrième chose qui fait que j'aime bien Booba, c'est que sa vision sur l'argent. Ça veut dire comment il voit l'argent. Pour lui, l'argent, c'est un outil. En fait, l'argent lui permet d'être libre. Tu vois, c'est comme il a déjà dit dans une de ses interviews. Moi, si jamais il veut de l'argent pour être libre, s'il veut manger un kebab, il mange un kebab. S'il veut manger en étoilé, il mange en étoilé. Si jamais il va en garde à vue, il peut prendre le meilleur avocat. Il n'a pas un avocat commis d'office. Enfin, je veux dire, d'une manière générale, ça déchire d'avoir de l'argent. Tu vois, tu veux aller à n'importe quel endroit, tu y vas, boum, boum, boum. Tu vois, l'extrême, c'est quand je lisais la biographie de Steve Jobs. Steve Jobs, il avait un jet privé. Et il était parti avec sa famille pour manger un sushi au Japon. Non mais, tu vois ce que je veux dire? Bon, là, c'est le degré de liberté, t'es vraiment là, t'es... C'est genre, tout le monde va au restaurant sur Paname pour pouvoir faire un sushi, machin, pour trouver le meilleur sushi. Non, lui, il va directement au Japon. Excuse-nous, Steve, excuse-nous. Lui, il n'a pas le temps. Mais voilà, sa vision sur l'argent, tu vois. Parce que finalement, parce que en fait, c'est quand je faisais la vidéo, je suis en train de me dire, en fait, j'aime bien parce que si je me retrouve, je me vois moi, quoi, en fait. Parce que tous les trucs comme ça, c'est exactement ça. Moi, ça fait 20 ans que je fais de la muscu, j'ai toujours été au top, tu vois. J'essaie d'entreprendre, je suis pas à son niveau, évidemment. Mais on essaye de faire les choses pour s'en sortir, tu vois. Pour vivre sa vie, la vie vraiment sur mesure, la vie que l'on veut, tu vois. Donc, sa vision sur l'argent, pour moi, c'est exactement la vision que j'ai de l'argent. C'est la liberté, en fait. Si tu veux être libre, moi je suis quelqu'un, je veux être libre. J'aime pas qu'on me casse la tête, je veux faire ce que je veux, j'ai envie de faire ce que je veux, en fait.
Tu vois ce que je veux dire? Et la seule façon de pouvoir faire ça, c'est d'avoir de l'argent. Si je veux changer de pays, j'ai envie de vivre dans un autre pays, tout ça, si tu veux manger de là, tu vas là, si tu veux acheter ça, machin. Dans tous les cas, il faut de l'argent si tu veux être libre. Avant-dernière raison, c'est sa musique. Hein, parce que sa musique, il y a tellement de classiques, tellement de sons que sa musique, elle est énorme. Après, les derniers sons vers les derniers albums, je suis un peu moins fan, mais je respecte le travail, tu vois. Moi, j'aime plus un peu les sons un petit peu... on est énervé, on part à l'abordage, hein. Concrètement, il a toujours su être au top. Donc, il connaît les tendances, il sait comment être numéro un à chaque fois. Donc, il faut respecter ça, tu vois. Après, il ne va pas pouvoir satisfaire les gens de temps mort à son dernier album. Donc, mais sa musique, si jamais il n'était pas bon musicalement, personne ne parlerait de Booba. Tu vois ce que je veux dire? Tous les trucs autour, là, ouais, il s'est battu à Orly, etc. Il est toujours en clash ou je sais pas quoi. Si jamais il n'était pas bon dans ce qu'il fait, personne ne le calculerait. Hein? Parce que les gens qui se battent dans la rue, il y en a partout. Okay? Les gens, ils parlent de lui parce qu'il est bon. Ça, c'est une notion quand même qui est importante. Tu vois, c'est comme Dieudonné. Dieudonné, tout le monde parle de lui, de tout ce qu'il fait, etc. Pourquoi? Parce qu'il est bon. Dieudonné ne serait pas bon, personne ne le calculerait. Les gens, en fait, ils s'en rendent même pas compte, mais les gens, en fait, respectent la puissance, en fait. Les gens respectent quand tu es bon dans quelque chose. Mais si jamais Booba, c'est un rappeur vite fait, machin, qui se barre à lit, tout le monde s'en... Personne ne calculerait Booba. Si c'était un rappeur éclaté, qui vendait pas, etc., bah, personne ne calculerait, tu vois. Et ça serait battu à lit, on n'aurait même pas calculé, tu vois. Et dernière raison, c'est le fait qu'il soit... qu'il ait pu garder une bonne shape depuis toutes ces années. Je crois qu'il a 43, 44, je sais plus quel âge il a maintenant. Bah, je trouve que ça déchire, voilà. Moi, j'aime les gens qui lâchent pas, tu vois, qui font pas genre, ils ont fait 2-3 ans de muscu, puis après, boum, et ça y est, c'est fini, tu vois. Tu vois, ils restent pas au top, tu vois. En fait, moi, j'aime pas parler de moi au passé, par exemple, tu vois. J'aime pas dire, ah, avant, j'étais ceci, ah, avant, je pouvais faire cela, avant, je faisais... Non, je vais toujours être au top. Ce que je faisais avant, je le fais toujours aujourd'hui. Je suis toujours au top, je vais toujours être au top, en fait. Donc du coup, je me retrouve en lui par rapport à ça, parce que lui, il veut toujours être au top, il est toujours au top. Tu vois. Donc voilà toutes les raisons pour lesquelles j'aime bien Booba. Alors après, les gars, je suis pas un fanatique de ouf, je sais pas quoi, j'ai quand même 40 ans. C'est-à-dire, par exemple, il est en clash avec Kaes, j'écoute des sons de Kaes, tu vois, les sons de Château Noir. J'écoute plus Château Noir quand je suis à la salle de sport que des sons de Booba. Je n'écoute pas de sons de Booba, c'est un petit peu trop doux. Frère, j'ai pas le temps. Quand il faut que je pousse, il faut que j'ai du son énervé derrière. Après, évidemment, il y a des choses, c'est pas... il y a des gens, ouais, non, mais... Genre, tu crois que ceci... Non, après, j'ai pas dit que Booba, il était parfait ou je sais pas quoi. Évidemment, il y a des choses que j'aime plus ou moins chez lui, mais je veux dire, c'est pas... Les gars, c'est pas un prophète, les gars. Enfin, c'est un être humain, il y a des trucs, des avantages, des inconvénients. Et c'est pas un gars parfait, comme tout le monde, en fait, tu vois. Moi, il y a des choses, bon, je trouve un petit peu trop émotionnel, tu vois. Dès qu'il y a un truc... Ah, tu peux dire... Hein? Ah ouais? Eh ben je te parle plus! Bon, il est un petit peu trop émotionnel. Hein. Ben après, il a ses valeurs. Hein, si jamais tu fais quelque chose, lui, il considère que c'est une trahison. Bon, ben voilà. Chaque, c'est ses valeurs. Il fait ce qu'il veut, tu vois. Mais après, c'est sûr qu'il faut être honnête. Si jamais tu en embrouilles avec 50 000 personnes, le problème, c'est pas les autres, c'est toi. Voilà. Mais après, c'est son caractère et après, on s'en fout, quoi, tu vois. Il fait ce qu'il veut, tu vois. Mais c'est vrai que ça fait un petit côté un peu fragile, quoi. Genre, bon, t'es toujours... dès que quelqu'un te dit un petit truc, ça t'énerve, je t'unfollow, tu vois, bon. Peut-être il y en a, c'est justifié, mais des fois, tu te dis, oh, si je pense par exemple à Kalash, oh, tu vois, par exemple, mon boy avec Kalash, bon, c'était un peu, voilà, on n'a pas trop compris, quoi. Pas trop compris, là, c'est vraiment... Genre, bref. Donc voilà, les gars, c'est tout pour cette vidéo. Petite vidéo où je partage un petit peu. En plus, comme ça, ça te permet de connaître un petit peu ce que j'aime. T'en apprends un peu plus sur moi. Voilà, c'était un peu l'idée de cette vidéo. Voilà. Donc sache que voilà pourquoi j'aime Booba. Donc n'hésite pas à mettre un j'aime si t'as aimé cette vidéo. Un j'aime pas si jamais tu ne l'as pas aimé. Ok, les gars. Si jamais tu regardes cette vidéo jusqu'à maintenant, c'est que tu sois intéressé par l'entrepreneuriat. Sache que tu peux accéder à ma formation Pirate Marketing sans sortir un euro. Et dedans, dans Pirate Marketing, il y a des réussites YouTube Money Machine. Donc, tu as vraiment la totale pour pouvoir atteindre les 5K en un an. Et si jamais tu ne les atteins pas en un an, tu les atteindras en deux ans. T'inquiète pas, ce ne sera pas bien grave. Et du coup, tu peux y accéder sans sortir un euro de ta poche. Pourquoi? Parce que cette formation, elle est éligible au CPF. Donc, si tu ne sais pas c'est quoi le CPF, en fait, tu cotises 500 euros par an pour pouvoir te former. Et si tu n'utilises pas cet argent-là, tu perds en fait l'argent en fait.
Donc du coup, il faut l'utiliser pour pouvoir te former. Et donc du coup, tu peux utiliser, bah, pour pouvoir te former, tu peux utiliser ton CPF uniquement pour les formations qui sont éligibles au CPF, et Pair Ad Marketing et au CPF. Mais bref, si jamais tu ne sais pas c'est quoi, etc., de toute façon, tu as un rendez-vous avec Céline, tu as juste à cliquer, le rendez-vous il est offert, elle va faire tout pour toi, le dossier, etc., tu n'auras rien à faire, et à la fin de l'appel, elle va te donner des accès à Pair Ad Marketing. Donc maintenant, les gars, vous n'avez plus aucune excuse pour pouvoir faire de l'argent. Je veux dire, là, à un moment donné, là, il y en a qui arrivent à me dire, oui, arnaque, je vois quand même. Frère, t'as rien à payer, y a jamais. C'est le gouvernement qui me paye. T'as rien à faire, en fait. Tu ne sors pas l'argent de ta poche. Chaque étape est offerte. L'appel avec Céline est offert. Pour faire le dossier, c'est offert. C'est nous qui faisons tout. Et derrière, t'as l'accès, tu payes pas Pirate Marketing. Je sais pas ce que tu veux de plus. Donc voilà les gars, donc n'hésite pas, tu es libre de pouvoir accéder à un rendez-vous avec Céline, tu as juste à cliquer sur le lien que dans la description ou en commentaire épinglé. Et les gars, on lâche rien et on reste déterminés, il y a eux et à nous, je serai ton camp.